Et salut les amis, c'est Kevin Unverse, bienvenue pour une autre vidéo sur Final Fantasy XIII Lightning Returns. Alors, aujourd'hui j'ai passé toute ma journée dessus, c'est pour ça que vous avez eu deux vidéos sur ce jeu. Alors, voilà une de mes nouvelles tenues qui s'appelle Lune Pourpre. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai une tenue différente de celle que j'avais avant. C'est tout simplement parce que Lightning va participer à un spectacle pour pouvoir atteindre l'intendant de Yuuzhan qui est en fait Snow. Alors, il faut savoir que moi, je l'ai personnalisé. Regardez ça. C'est une véritable robe de mariée. C'est magnifique. Alors, et juste un truc... Oui, voilà. Quand on retire, on voit bien que je lui ai mis un petit masque... Un petit masque argenté. C'est vraiment magnifique. Alors, la mission commence à 3h. Il est 1h44. Donc, on va avancer le temps. C'est parti, les amis. Oui, toi t'es pas prêt, mais moi je suis prêt, alors j'attends ici, on commence. C'est parti les amis, petite mission. J'imagine. Ou cinématique, on verra bien. Alors il est maintenant 3h, merci l'horloge. Alors j'ai bien sûr fait quelques missions pour gagner des âmes. Est magnifique cette tenue, les amis. Il y a plein de tenues magnifiques dans ce jeu, mais celle-là, c'est vraiment la meilleure. Je le répéterai jamais assez. This is my theater we're talking about. Of course, I knew in an instant what would happen if we upped the fireworks like you wanted. Actors I could replace easily. Et rigolo son habit. I can't let you do that. So I've been wasting my time. No, no, that's not what I'm saying. I just think you went a little overboard. So I made a few adjustments. That stage may not survive the night. But no one will get hurt. You don't mind? Look, I get bored spitless doing the same play over and over and over again. The people want something new. And lady, I'm counting on you to give them exactly what they want. I can act when I have to. Good to hear, because it's about time for your cue. How many decades has it been since I looked forward to a show this much? You're my star. Now get out there and act me a savior beyond anything I've ever imagined. Well, I won't even need to act. If it's the savior you want, you've got her. Vu que c'est elle, la libératrice. Les accessoiristes. Oh, me dis pas que je dois changer mes trucs. Vous gagnez femme fatale. On l'avait pas remarqué à travers 3 épisodes de Final Fantasy, hein. Du 13, bien évidemment. Ah, ça commence, les amis. Ah, j'imagine. Ah ouais, les 3 heures. Je vous cache pas que moi aussi, j'ai hâte de voir ce spectacle. J'ai couru comme un gave dans toute la map pour faire les préparatifs. Oh, une danse à la Mylène Farmer. Ah, je rigole. Allez les amis, on profite du spectacle. Chosen one, become my blade. Cast aside all that you are. Throw down your life for the sake of my new. To save the people of this world, I would give everything I am. Hear our prayers, God. Let your blessings rain down upon us. C'est l'horloge qui cause. In the name of Radiant God, I bear aloft this light and banish the darkness. Ah ouais, elle se sert de ses pouvoirs carrément. Thank you.
Ouais! Allez les amis, on gueule un bon coup! Ouais! Ah, il y a les plateformes qui bougent, trop stylé! Et c'est quand qu'on fait tout péter? Ah! Ça y est, les amis, ça commence! Donc, en fait, le but est très simple. Elle va devoir renverser cette tour pour traverser le palais de l'intendant. D'où le fait qu'on a dû courir comme un gaffe pour aller chercher plein de fusées de feu d'artifice un peu partout. On a sauvé une ou deux âmes en même temps, tant qu'à faire. La plateforme qui commence à cramer aussi. Est-ce que ça va être une vraie arme ou juste un accessoire? Bonne question. Wouhou, il y a tout qui pète. J'imagine qu'elle parle de Bunivelza, le dieu qui l'a changé en libératrice, et qui, en échange des âmes, est censé faire revenir Serra, sa sœur, à la vie. Ouais, elle a tout fait péter. Ben c'est nickel cette cinématique, purée! Le plus beau spectacle que j'avais vu aussi, les amis, je crois que c'était dans le Final Fantasy 13, 1 ou 2. Je ne saurais plus exactement vous dire. Ah, nickel! Les gardes semblent en pleine confusion, les portes du palais sont grandes ouvertes, c'est un marché. Tu m'étonnes, on a tout fait péter. Nous avions tout fait exploser sur ton plan, cette pièce aurait été une véritable tragédie. On a tout fait péter, façon. Prochaine fois, tu monteras sur scène. Non, si c'est Hope qui monte sur scène, moi je démissionne. Ouh, pinaise. Bon, tant qu'à faire. Comme ça, je vois en même temps la finalité des différentes tenues qu'on a débloquées, les amis, parce que j'en ai une autre. C'est... Voilà, c'est celle-là. Donc celle-là, c'est... Bon, divinité, mais la tenue, je crois que c'est... Comment ils appellent ça ? Résistante glaciale, je sais plus trop. Ah ouais, ça a carrément changé les touches. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, le fauchage, maintenant, il se retrouve ici. Hop, 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 hop. Hâte. Et on va le finir. Ça fait un effet de glace à la lame, j'imagine. J'ai pas bien vu. Alors. Aller au trône du Lessie en haut du palais.
Oui, parce qu'en fait, Hope, il pense que Snow, il s'est changé en Sith. Donc, c'est le Sith déchu. Et qui se transforme en monstre cristallisé. Alors, il y a un petit nuage de chaos là-bas. Je vais aller voir s'il y a des graines d'âme, les amis. Alors, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Des petits points roses? Oui, il y en a. Génial. Allez, 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 allez. Ouais, j'en ai une. Et avec ça? Bon, je pense. Non, 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 il y en a encore une. Ouais. Hop. Je pense pas qu'il en reste d'autres. Donc, bah, on va pouvoir le fighter. Bye bye. Quelques petits fauchages, ça va déjà faire pas mal de dégâts. Ah! Pourquoi il y a des petits cœurs? Je me demande vraiment c'est quoi, faudrait que je regarde dans le manuel. Pourquoi j'ai mis deux gardes vitales? Ah ouais, j'ai pas vu. Alors ça, faudra que je change, les amis. Parce que bon, trop de gardes vitales, ça va pas le faire. Ouais, celle-là. Allez, dégage, dégage, dégage. Ok, ça c'est bon. Boum, dégage. Alors c'était sûrement un truc qui était lié à la tenue de Mikoté, donc je vais regarder ça tout de suite en votre compagnie. Donc style, alors ouais, mon joystick qui bug un peu. Alors feu, fragilité, fauchage, ça c'est nickel. Ah voilà, garde vitale, je vais garder la garde vitale bêta. Donc, celle-là, on va changer. On va mettre une attaque. Alors qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, aéro impact, attaque astrale, garde vitale. Ouais, on va peut-être mettre une magie, les amis. Est-ce que j'ai glace 2? Non, j'ai glace, ça ira pour l'instant. Alors, glace, garde vitale, hop, feu, fauchage. Glace, aéro... Ouais, on va faire avec ça pour le moment, les amis. Ou alors, je mets un feu, je sais pas encore. Bon, ça, je verrai, de toute façon... Vous créez vos styles comme vous le voulez une fois que vous êtes dans ce jeu, c'est vraiment magnifique. Alors, quête secondaire, bon, ça c'est fait... Parce que bien évidemment, la tenue lune pourpre, je l'ai gagnée en réussissant trois petits combats que t'es... Oh mon dieu, c'était tellement dur que j'ai failli mourir plus d'une fois. Non, je vous avoue, j'ai effacé les combats très, très facilement. C'était vraiment facile. Bon, ben, on va pouvoir y aller. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Je vais en profiter, je vais quand même regarder un petit peu ce qu'il y a. Oh, tu m'énerves, toi. Cours! Cours! Et fly-le! J'espère que t'es pas sensible à fragilité. Eh bien, si! Fragilité, les amis, qui réduit les dégâts, la défense physique, pardon. Matument, merde. Allez. Allez, chronodilatation, on perd pas de temps. Voilà. C'est nice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bobine d'éther, c'est nickel, ça. Alors. Ah oui, je me souviens cette map-là. Bon, je sais pas si on s'est rentré par le milieu. J'imagine qu'on saura pas. Oh, dégage! Ah tiens, fragilité, comme ça, ça fait encore plus de dégâts. Aïe! Bam, bam.
Alors je remettrai sûrement Nocturne pour le combat contre Snow, parce que j'imagine qu'on va devoir l'affronter vu comment il nous a attaqué dans le début du jeu. Ça, je ne sais pas encore. Je verrai vraiment ma stratégie en fonction du moment. Parce que comme je vous dis, je connais tous les 13, sauf celui-là. Oh, il y a une pute... Ah, c'est quoi ce machin? Ah oui. Agilité, tifauchage. Alors, lui, je l'avais déjà rencontré, je pense, oui. Bah, tu fais pas de dégâts, hein. Sugouret touche. Tu fais pas mal du tout. Moi, je te fais mal, mais pas toi. Et hop, on va faire un fauchage pour le finir. Pour le finir, lui, les amis, et après avoir cherché cette médaille, si j'arrive à sauter là-dessus, qui finira... Ah oui, on peut passer par là. Qui finira également cet épisode. Donc, morceau de statue. Ça va sûrement servir à quelque chose. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma vidéo, partager ma chaîne, mettre des likes si vous aussi vous adorez Final Fantasy autant que moi. Si vous avez déjà joué à l'un d'eux, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Alors, merci à ceux qui s'abonnent, ça me fait vraiment super plaisir. Alors, vous en faites pas, le combat contre Snow sera dans le let's play. Là, je faisais juste une petite vidéo fun pour vous montrer également le spectacle que j'attendais avec impatience et je suis pas déçu. On a tout fait péter, c'était littéralement génial. C'est le cas de le dire. Alors... Je pense que dans la petite vidéo que j'avais fait également aujourd'hui, j'avais montré les différentes tenues que j'ai obtenues. Alors, j'en ai eu encore une ou deux que je vous montrerai dans les épisodes suivants, en plus de celle-ci. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo et à me dire laquelle des tenues ou lesquelles des tenues vous préférez. Ça me ferait super plaisir d'avoir vos commentaires. Dites-moi si vous voudriez une couleur spéciale de tenue. En tout cas, moi je vous dis ciao les gens, c'était Kevin Unversed, à bientôt!